je m'appelle Abdourahmane Faye, je viens du Sénégal. Je suis ingénieur agronome, spécialisé dans la formation agricole. Je suis au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural. Je suis en charge du bureau de la formation professionnelle agricole. C'est à ce titre que le ministère, le Sénégal, via le ministère, a reçu un appui du FARA à travers le CORAF pour mettre en œuvre un programme de renforcement de capacité des acteurs du monde rural impliqués dans le PNIA. L'idée, c'est que le PNIA est défini en 2003 et c'était pour atteindre des objectifs de croissance de l'agriculture. Le PNIA, c'est le Programme National d'Investissement Agricole. Au résultat, on a investi beaucoup d'argent dans l'agriculture. On met 12% de notre budget dans l'agriculture. Mais l'agriculture n'a pas encore atteint les résultats que l'on attend. Maintenant, dans les 10 années à venir, on voudrait que le PNIA intègre la formation et le renforcement de capacité des acteurs. C'est ça le projet ACSTAF, qui est financé par le FARA, dont le Sénégal est bénéficiaire avec 5 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous étions là aujourd'hui pour présenter les premiers résultats préliminaires de ce projet. Ces premiers résultats préliminaires de ce projet, c'est que nous devons remobiliser nos institutions de formation agricole, nous devons remobiliser les acteurs du développement de l'agriculture et nous devons donner les compétences à ces acteurs-là pour que les investissements que nous faisons dans l'agriculture soient les plus productifs possibles. C'est donc un projet qui vise une meilleure valorisation des investissements publics au sein dans le secteur de l'agriculture. C'est donc pour ça que nous sommes là, nous avons partagé avec les autres pays et au résultat, nous nous rendons compte que le Sénégal a beaucoup avancé comparé aux autres pays. La perspective, c'est que dans les 10 années à venir, qu'il y ait au Sénégal une structure nationale qui s'occupe des questions de renforcement de capacité des acteurs du développement rural. Qu'il n'y ait plus de gens qui font de l'agriculture sans jamais avoir été à l'école, ou qui font de l'agriculture sans jamais recevoir de formation, qui font de l'agriculture comme le faisaient leurs parents, et qui risquent d'avoir des enfants qui font de l'agriculture comme ils le faisaient. Voilà l'esprit du projet ACSTAF. Dont je suis venu présenter les résultats du Sénégal ici à Kigali.